beats. What up, mes péquistes endiablés du secteur de Robertval? C'est l'heure de la fin de semaine de fou, les boys. Checkez-moi les cernes, OK? Je suis complètement brûlé, puis la fin de semaine est même pas commencée. Ben, il y a eu la pesée hier, en fait, là. Fait que oui, elle est comme commencée, mais... À soir, c'est Samouraï MMA. Demain, c'est BTC. Entre ça, on a 8 heures de route à faire. On a 8 heures de route à faire pour revenir après le BTC, pour être là pour le petit podcast dimanche. Puis là, j'étais au gym pour rouler un peu avant tout ça. Ça va être crazy, les gars. Soyez là, man. Hey, Bobby, hey, what up, motherfucker? Carton jaune. Le Hype Oak Podcast est commandité par Manscaped, le pro des produits de rasage et des soins de partie intime pour les hommes. Manscaped vous propose des outils de haute précision pour vos bijoux de famille. La marque vient tout juste de lancer sa tondeuse 4e génération, le Lawnmower 4.0, partout au Québec et au Canada. Vous avez bien entendu, le 4.0. Rejoignez les 4 millions d'hommes qui font confiance aux outils Manscaped avec cette offre exclusive rien que pour vous. C'est 20% de réduction et la livraison offerte dans le monde entier avec le code MMA Talk sur manscaped.com. Imaginez vous raser avec une tondeuse élégante, optimisée, qui est super bien faite et qui fait du rasage une partie de plaisir dans la salle de bain. J'ai eu la chance de faire partie des premiers à tester le 4.0 et honnêtement, je suis époustouflé. Le design, le niveau de détail qui est placé dans cette machine-là, ça met la barre très, très haut. En plus, au Québec, c'est ce temps-là de l'année encore. Le fret, la neige, les rigoureux hivers québécois. Comment vos bijoux de famille vont dealer avec ça? Vous voulez pas qu'elles aillent froid, ça c'est bien certain, mais vous voulez encore moins laisser vos poils pubiens pousser tellement long que vous ne trouvez même plus vos propres bijoux de famille parce qu'ils sont cachés dans une forêt de poils. Comment trouver l'équilibre parfait? Moi, je fais ça avec le Lawnmower 4.0 de Manscaped. C'est ça qui m'aide. Ça m'aide à garder la taille de mon choix. Et ça, pour garder mes couilles au chaud comme si j'étais Derrick Lewis. Manscaped vous procure chaleur et confiance en même temps, tout en assurant la pleine santé de vos bijoux de famille. Manscaped a mis au point la tondeuse ultime pour les parties intimes et le corps en développant des fonctionnalités intelligentes doublées d'un confort de rasage sensationnel.
Leur tondeuse 4e génération présente une lame en céramique de pointe dotée de la technologie Advanced Skin Safe pour réduire les accidents de rasage. Je me rase les deux doigts dans le nez, les boys. C'est absolument incroyable. Cette tondeuse nouvelle génération est aussi occupée d'un bouton NNF multifonction qui peut être verrouillé et une lumière LED de 4000K pour un rasage de précision. Le Lawnmower 4.0 permet aussi de personnaliser la longueur de coupe, comme je vous disais, avec 4 tailles de sabots supplémentaires, ce qui fait que vous pouvez laisser la quantité de poils que vous voulez pour vous protéger des hivers québécois. Est-ce que je vous ai dit que c'était rechargeable sans fil? À part de ça, le nouveau système à induction électromagnétique aide la batterie à tenir plus longtemps. Si vous rasez la barbe avec la même tondeuse que pour vos bijoux de famille, faites pas ça comme faux. Je suis pas ici pour vous juger, là, mais vous allez finir avec des poils pubiens dans la bouche, puis il y a personne qui veut ça. C'est le moment de vous procurer votre propre tondeuse pour les bijoux de famille et le corps avec Manscaped pour prendre soin de vos balls en toute confiance. Bénéficiez de 20% de réduction et de la livraison gratuite partout sur la planète avec le code MMATALK sur manscaped.com. Je répète, c'est 20% de réduction et de la livraison gratuite sur manscaped.com avec le code MMA Talk. Prenez confiance en vous et utilisez toujours les bons outils pour le travail avec Manscaped. Vos couilles vont vous remercier. Allez, toi, t'es combo pour les mains. Tu peux Yo pas. Yo, MMS dans place. Que... Je regarde le trépied aussi. Hein? Champion CFFC. Oh, tu veux ton trépied? Ok. Il vient de signer son contrat à l'UFC. The champ is here. Fais attention au corps. Faber. Yassin Rambo Nasri. Son adversaire dans le coin rouge. Et tu avec grâce à qui a été. Là. Là. Le colis de guerre en Nasri. Trois grueling rounds, trois estis guerriers, deux guerriers, trois rounds, pardon. Greg cherche sa affaires. Passe en haut, je passe en bas. Comment t'as aimé ton premier combat, mon chat? What up, esti, c'était malade, big. Shout out à Pierre Thivierge, man. Capable de manger un coup, man, le petit gars d'Huntington, esti. Contrôler le combat. Il y a un juge qui a donné un 18, esti, sur un des rounds. Je sais pas si je suis d'accord avec ça, mais c'était un esti bon fight. Le français Nasri, il est venu pour se battre, tabarnak. La soirée commence très bien, mon GSP. Ok, dude, je suis bien d'accord avec toi. Prochain combat? Prochain combat, ça va être les Québécois, Fortier contre Poulain. Ouais, super excitant, man. J'espère que les deux fighters vont avoir du fun, deux petits gars de chez nous. Deux grapplers. J'ai hâte de voir si ça va être une guerre sur les pieds ou au sol. Donc, vous voyez le premier combattant qui va rentrer dans l'octogone. Salle pleine ce soir au club. Au théâtre. Au théâtre Olympia de Montréal. Comment tu filmes ça, mon Max Carabine? Comment? C'est quoi tes feelings, là? J'ai pas compris, big, y'a trop de son, hostie, là. Vous voyez, l'ambiance est folle. Comment tu sens, mon Max? Je suis fébrile, le gros, j'ai de l'adrénaline qui me coule dans les veines, tabarnak. Let's fucking go, hostie. Ouais, monsieur Daniel Lafont, président fondateur de Samouraï, qui fait beaucoup de va-et-vient ce soir, on va dire les vraies affaires, là. Daniel a travaillé très très fort, mais son travail n'était pas terminé. Il travaille très fort encore ce soir. Voici l'entrée de Maxime. Hello! Embarquer peut-être faire une coupe de round avant la fin de la soirée.
Pour être franc, la première chose que j'ai faite quand je suis arrivé avant que les galas commencent, c'est monter dans l'octogone puis faire un peu de shadow puis me déplacer dans l'octogone. C'est sûr, tellement content d'être ici, honnêtement, avec la belle énergie qu'il y a, toutes les femmes qui sont ici présentes ce soir. Super gala, Hélène Lamont, ça va un grand succès ce soir. Bravo, Dan. Merci beaucoup. Puis pour toi, Jean, parlons de ton succès un petit peu dans la dernière année. Windsor native, and I think Fox Takedown defense. Good for him, though. He deserves that way to go. Le champ, esti, Kyle Prepolek, tabarnak. Bien mérité, esti, ouais, pour l'Ontarien. Manu qui a fait un esti job avec Daniel. Let's go. Attention, le vlog, il roule, là, esti. Oh, c'est super! Le gars, il se promène dans le même champ que Patrick, on a juste des papiers! Moi, j'ai vu un. Ok, fait que là, c'est les extras, man. On était à fucking banquise, man. Je peux vous croire que c'est la première fois que GSP va manger de la poutine de la banquise, esti. J'ai entendu parler souvent, mais là, c'est shit is getting real. Oh, on est là. Tonight, it's real. Vous allez voir des poutines de malade. T'as-tu une idée quel genre de poutine tu veux pogner, Philippe? Ah mon gars, c'est parce qu'il y en a tellement ici que c'est dur à dire, mais je m'en vais pas dans le régulier, c'est mettons. C'est un calvaire, ça, pour faire un peu. Pas dans le régulier. Moi, je vous le dis tout de suite, ma préférée, c'est la taquise. On se voit dedans. Fait qu'on est là, tabarnak. Hey, man, ça fait ça. On a les menus, esti. GSP a de la misère à choisir. Tu peux avoir ici de travailler, même avoir perdu la voix, mon chum. Carabine, un petit VG. Fais-le, une petite cochonne. Oh my god, c'est bon, ben nice! What's up, man? Des chicken wings? C'est des morceaux de mac and cheese, là. Ça? Une petite revue culinaire. On est bien que ça. Ah non, c'est jamais pas. Merde. La nuit est finie, si on peut appeler ça une nuit. Ça a duré comme 15 minutes. C'était fou, man. Quand je suis revenu chez nous hier, j'ai eu la chance de réécouter un peu le broadcast de Samouraï sur Fight TV. Je pense que j'ai bien fait ça. Je suis vraiment fier. Mais gros, je suis brûlé aujourd'hui, mais les boys, c'est la part 2 de la petite fin de semaine de fou. C'est soit la part 2 du vlog, peu importe comment j'arrange ça, je le sais pas encore. That's what it is. Pis ça, c'est ma petite face. De gars qui vient de se C'est comme ça qu'on se réveille pour faire de la route. Bacon, bacon! C'est samedi, j'ai le douet. Direction Sainte-Catherine, from Sainte-Catherine. Ah, yes sir, les boys! Direction Sainte-Catherine. Petit double, double. Les petits doubles, moi j'ai un petit plus gros, mais... Bon ben, petit update les chums. Les routes sont belles, vous voyez là, la caméra shake plus, fait que... Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est rendu en Ontario. On est surtout sorti du Québec. On est sur le café. Ça, vous voyez une image très très rare ici de la bête Faberglass qui consomme de la caféine. Ça, c'est très très rare. Gros, quand t'auras dormi littéralement 15 heures dans les 5 derniers jours, là, ça te permettra de boire du café. Moi, je bois pas de café, mais c'est un boss en ce moment. Ouais, fait que c'est ça, on a le boy Carabine qui se repose, esti, parce qu'on va se dire les vraies affaires. Ça a pas dormi fort les chums, là. Carabine, il a monté le blog, ça a pas mal fini à 5h, puis il s'est pas mal levé à 6.
Faber, il a pitonné, d'après moi, jusqu'à... Il dormait 2 heures. Bon, 2 heures. Puis il y a moi qui est comme... qui a eu le luxe de dormir peut-être un petit 3. Shout-out à Alex Morgan, là, qui me textait à 5h45, man, pour s'excuser de ne pas avoir fait l'entrevue. Si tu regardes ça, Alex, il n'y a pas de stress. T'as fait ça comme un champ, puis gros, on va se reparler sur le podcast. Fait que c'est ça, les boys. Top day plus tard. Peace out. What's up, les chums? Fait qu'on arrive dans le 6, tranquillement, pas vite. On est arrêté au Popeye Chicken. Chicken Popeye. On a mangé! Comme si vous savais pas, on a le Scotiabank mais en bleu parce qu'on rappe pas le rouge à Toronto. Le rouge n'est pas admis. On est all blue, man. Leafs Nation all day, mon gars. Yeah, 34 to the cup, man. I disapprove 100%. Ah, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est, ce bleu là? Quelle belle arène. Je suis jamais rentré là-dedans puis je rentrerai jamais là-dedans. Man. Hey Greg, y'a juste une affaire qui me vient en tête, man. Go Leafs go, tabarnak! Go Leafs go! Il vit dans un monde de licorne, regardez, y'a même les culottes qui viennent avec aussi. Charles Wayne. Hey, faut que je me change aussi, pis on est en plein milieu de la rue qu'on lisse. M'en va dans les arbres là-bas. Hein. Mon vlog ça, Carbine, ça, ouais. J'ai des affaires à faire, moi, tout, je me prépare. M'en va dans les arbres, c'est-tu, tabarnak? Stragnon, on t'aime, c'est-tu. Gros stragnon. On va me changer dans le buisson là-bas, regarde. Les aventures de Faber. Comment en place se changer, le gros? Je suis dans le char, là, c'est pas si pire. C'est pas nous, Faber, c'est-tu? Arrête, là. Je vais mettre presque tout nu dehors, c'est la douleur. Parce que moi, je suis revenu à la douleur, les gars. La douleur. He's back. La douleur, ça me fait pas peur. C'est dans mon ADN. Faber, ça veut dire sacrifice, c'est-tu en serbe. En Nouvelle-France. Is this your bar, your neighborhood bar? Yeah, this is like where we typically do our... after parties party. Here, a nice event winning center. After party. That's great. GSP. Yeah. Yeah. Look at my face. Fuck. Yeah. Is Mo's there too? Mm-hmm. We don't got Popeyes in Quebec, so we stopped. Oh no. So we stopped at Popeyes, man. Yeah. Yeah. But you guys got the good poutine. Yeah, that's McDonald's, you can get poutine, I think. Yeah, but that's not it. It's not it. Yeah, we went to last night after the show. There's a spot in Montreal that's really close to where the event was held, and it's named La Banquise, and it's a poutine spot, and like there's all kinds of poutines. You can barely have anything on your poutine. Like he ate the kind of like Mexican one with like sour cream and guacamole. Nice. I had the. Pretty much the meat one, like with fucking pepperoni and smoked meat. Smoked meat. And fried pickles? Oh, yeah, he had the smoked meat, fried pickles, and coleslaw. Yeah. And that was yeah, I've been to Schwartz's. Schwartz's is a good smoked meat. And I love the Montreal style bagel. It's my favorite bagel. Oh, yeah. Moi, je veux vraiment qu'il arrête de modifier French Montana, tabarnak, là. Ouais, Frenchie, c'est quoi ça, être modifié de même, man? Regarde. Ok, il est modifié French Montana. Ouais, okay. Gars, l'événement est incroyable, mais checkez ça. Checkez ça, on est à la place de Pizza Racisme. On a eu quoi? Papa John's, esti, mais on aime toutes les communautés, les minorités visibles. Pourquoi tu es raciste? Ben, parce que Papa John's est raciste. Pour il est tellement raciste qu'il s'est fait crisser dehors de la compagnie qui porte son nom. Ben non, t'es-tu sérieux? Quel étron. Fait que, fuck that guy, man. Mais, on attend notre pizza, man.
dans cette magnifique ville d'Hamilton, qu'on, quand on passait devant, on disait que c'était lettre à Chris, puis on est dedans, c'est mort. Never too much! Puis après ça, ben on s'en va à la maison. Ouais, oh, là, c'est ça. Je sais pas si ça va être la fin du vlog. Ça se peut, parce qu'on va peut-être oublier de faire une finale tout à l'heure. Si c'est la fin du vlog, ben, si c'est pas la fin du vlog, ben tabarnak. Si c'est pas la fin du vlog, c'est tant mieux! La douleur, esti! En effet, on est en douleur. Pis Carabine, t'as-tu enduré la douleur de la ride de retour, man? Pas quoi, man, esti? J'ai dormi, tabarnak! Là, hein, aucune douleur ressentie lors du sommeil. J'ai un petit mal de cou, là, en ce moment, mais sinon... Hey, moi tout, quand j'ai dormi sur ce banc-là un petit peu, je me suis réveillé le cou tout fucked up, même. Ouais, genre, ça pliait pas dans le bon sens, ça, mon cœur. Sinon, ça devrait aller, là. Faut penser à moi tout à l'heure, man, Carabine, qui était trop avant, qui était tout couché. Moi, je mesure 111, tabarnak, le gros, j'avais deux genoux. Ouais, t'as côté ben rap. Même moi, j'essayais de m'accoter les pieds, puis je suis plus petit. Gros, j'ai deux trous dans mes shoes. Un ici, regarde ça. Un là. Gros, mais je sais pas ce qu'on a fait en fin de semaine. Ah, direction Montréal, les cons, man! Ouais, ciao, mon Carabine, la prochaine, aussi. Ciao, les boys, man! Ciao, bud! Fait que les jeunes, esti, je pense que c'est fair de dire qu'on conclut le vlog site. Mot de la fin, Greg, esti. Oh man, je suis brûlé, man. Bonne nuit à tout le monde, Calis. Bonne nuit à 6h47 du matin à tout le monde, esti. On se voit au podcast à l'heure. On se voit au podcast que vous avez déjà écouté, ciao.